Il est 7h30, on vient de passer une nuit épouvantable dans les tentes. Il a fait une tempête pas possible. C'est pas du vent qui fait dans les PO, c'est des tornades, c'est inhumain du vent comme ça. Le Cyphor il est là-bas, dégagé. Par contre, il fait toujours un zèf pas possible. Donc je sais pas si on va y aller, il y a Julien qui dort encore. On attend Thierry. Voilà. Super nuit pourrie. Pour une journée qui s'annonce super pourrie aussi. On sera bien la prochaine fois. Voilà. Jules 31 pour Petit TV. On réveille le matin. Salut les gars. Après la super nuit. La super nuit sous la tempête de neige. Non, mais pas sous la tempête de neige, mais sous le. Sous les foudres des halles. Et on confirme que la tente Quechua résiste au rafale à 140 km. La partie arrière, c'est démantibulé. Ouais, c'est chantier. Donc, superbe. Superbe flotte. Avec la mer. Une belle journée, bien. À tout à l'heure. Bon voilà, Thierry, Titi 66 est arrivé. Il fait toujours aussi chaud, le beau soleil de Catalogne. Cher à Nico. Nico te la retient celle-là, il y a eu du regel nocturne. Et donc là, on va s'attaquer, on va essayer, si on ne se fait pas trop brasser sur la crête, d'aller s'attaquer au Cyphor. Donc voilà, on est au pied du pic Cyphor avec le guide du jour. La météo.